C'est en Suisse, au bord du lac Léman, que vit une autre candidate à des vacances extraordinaires. Dans cet hôpital de Genève, service de pédiatrie, travaille Isabelle, 46 ans, infirmière anesthésiste. Dans son métier, Isabelle traverse des moments éprouvants. Témoin de la souffrance des enfants, elle tient leur vie entre ses mains. C'est un métier stressant. C'est un métier stressant, ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de souffler, de respirer et de revenir plein d'énergie, plein de belles images, plein de chaleur. Isabelle a besoin d'oublier un peu la dureté de son métier. Une fois par an, elle s'offre des vacances originales. Cette année, elle a choisi une expérience extrême. Mes vacances, j'ai envie que ce soit quelque chose de vraiment ressourçant, de quelque chose d'inhabituel et comme un rêve, en fait. Isabelle a choisi de passer ses vacances en Norvège, près du pôle Nord, dans l'archipel du Spitzberg. Nous sommes mi-juillet et il est presque 1h du matin lorsque l'avion atterrit. Ici, en été, il fait jour 24 heures sur 24. 5 personnes vont partager cette expérience avec Isabelle. Ils ont déboursé 2000 euros chacun pour ce voyage au bout du monde, dans cet endroit incroyable qu'est le pôle Nord. Allez, on y est. Yes ! On est super contents. On y va. Le but de leur voyage, les grands glaciers du Spitzberg, sur une île perdue proche du cercle polaire. Pour les accompagner, un guide très expérimenté, Thibaut, 30 ans, connaît ces glaciers par cœur. Donc celui qui est bien éclairé avec le soleil, là, c'est beau. Ouais, on ira aussi. Ouais. Ils sont tous en activité. Et après, il y a un petit cap et derrière, vous avez Wallenberg. On voit juste le haut, en fait. Et après, le dernier, vous avez Svea. Pour moi, cette terre, elle est tellement magnifique que j'ai toujours envie d'aller voir ces glaciers, d'aller voir cette terre sauvage. C'est extrême. Et du coup, ça rend bien humble. Parmi les voyageurs, il y a Pierre, 56 ans. Il a grandi au Canada et vient revivre ici les émotions de son enfance. Ça a hanté mes nuits pendant longtemps quand même, ce genre de choses-là. Donc là, je me dis que je vais me réveiller, que je serai encore dans mon rêve. C'est sympa comme pensée, tu sais. Avant le départ, un petit tour à Longyearbyen, 1600 habitants, la ville d'Europe la plus proche du pôle Nord. Son emblème, l'ours polaire. Il y en a plus de 2000 dans les environs. L'ours polaire qui s'aventure quelquefois au cœur même de la ville. Il nous rappelle les peluches de notre enfance, mais il est dangereux. C'est le plus grand carnivore terrestre. Il pèse en moyenne 500 kg et mesure jusqu'à 3 mètres de long. Ces ours peuvent devenir redoutables lorsqu'ils sont affamés. Ils vont devenir la principale menace qui va guetter les vacanciers. C'est en bateau qu'ils vont rejoindre la zone désertique et gelée dans laquelle ils vont évoluer. Une zone qui est prise par les glaces jusqu'à 10 mois par an. C'est l'endroit où les grands glaciers finissent dans la mer. Leur matériel est réparti dans les kayaks, qui seront leur seul moyen de déplacement. Pendant 8 jours, les voyageurs vont être coupés du monde. Voilà. Le premier réflexe de Thibaut, s'occuper de la sécurité. Les ours ne sont jamais loin. Et même si une enquête est ouverte pour chaque ours abattu, cette région du monde est l'une des seules où le port d'armes est obligatoire. Thibaut ne quitte jamais sa carabine. Il faut toujours qu'elle soit chargée, pas armée. À partir du moment où on pose le pied en dehors de Longyearbyen, on doit être armé forcément par rapport à ça. Alors c'est la dernière... C'est le dernier moyen pour repousser ou pour l'éliminer, mais avant, on utilise plein d'autres méthodes et en général, à chaque fois, on arrive à le repousser sans avoir utilisé la carabine. Mais c'est juste une question de sécurité en plus, quoi. La sécurité, il en sera tout le temps question. Ici, c'est une terre hostile où l'homme ne peut pas vivre longtemps. Chaque détail du bivouac a son importance. Les tentes ne sont jamais montées au hasard. La configuration du camp, c'est toujours la même environ. En fait, on fait un grand V.
Je vais vous montrer comme ça, le caillou, ça c'est la tente-messe. Ensuite, après, on met nos tentes personnelles ici, hop, et la nourriture à l'opposé, pour l'ours, tout simplement. Tout ce qui a de l'odeur, on l'écarte des tentes, le plus possible des tentes personnelles. Mesure de prudence extrêmement importante. Gare à ceux qui ne les respectent pas. En 2010, un explorateur norvégien avait laissé ses vivres dans sa tente. Un ours lui a attrapé l'arrière du crâne et l'a traîné sur une quinzaine de mètres. Un an plus tard, un groupe de lycéens britanniques est attaqué. Un jeune de 17 ans a trouvé la mort. C'est pourquoi, contre la menace des ours, rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Alors, pistolet d'alarme, ça commence à être une arme. Ouais, c'est lourd. Hein. Mais donc, on considère que si on va chercher de l'eau, faire pipi et tout, on a une main pour le pistolet, une main pour nous. Voilà. C'est comme en bateau, quoi. Voilà, une main pour le pistolet. Quand vous êtes tout seul, vous lavez avec vous tout le temps. Ouais. Au début, les gens arrivent et disent l'ours, oui, c'est bien, c'est une espèce protégée, on voit des images à la télé. Ça fait un peu nounours, quoi. Ça fait tout gentil. C'est vrai et pas vrai. Ça peut être aussi un peu méchant si on vient trop près de son territoire ou s'il a faim, s'il est avec des petits. Donc, faut faire attention, d'accord? Comme c'est nous qui venons chez lui, je pense que c'est quand même à nous de faire attention, de ne pas provoquer, quoi. Donc, le voir, oui. Le rencontrer, oui. De près, non. Donc, une fois que le canon est baissé, vous mettez la munition dedans, d'accord? Et vous reclipsez juste en faisant comme ça. L'arme est chargée. Okay. Attention, allez, vas-y. Oh, oh putain! Qu'est-ce que ça te fait? Ah ben c'est puissant, hein. C'est bon, j'espère que l'ours, ça lui fait la même impression que moi. La première étape peut commencer. Les tentes et les vivres sont chargés dans les kayaks. Les combinaisons sont obligatoires. Ils vont évoluer en permanence dans l'humidité. Et l'eau est proche de 0 degré. On est parti. Donc, on me suit. On essaie de rester groupés. Une trentaine de kilomètres par jour, 5 ou 6 heures à pagayer. Le voyage au pôle Nord, c'est aussi du sport, ce qui n'empêche pas les moments de contemplation. Ça, c'est beau. Oh, putain. Voilà, on la regarde pas la carte postale, on est dedans. C'est quand même chouette. Oh, on est mieux ici que dans le métro quand même. Pour tous les membres de l'expédition, il y a cette motivation d'échapper au stress, de se retrouver face à eux-mêmes, à vivre des situations uniques. Tu vois la tache noire un peu là-bas? Voilà, le but quand on approche un phoque comme ça, c'est d'essayer de ne pas l'encercler. Donc en fait, il faut toujours lui laisser une porte de sortie. Si vous arrivez en faisant un cercle autour de lui, il va se sentir agressé, il n'aura plus de moyens de s'échapper, donc il va essayer de plonger le plus vite possible. Par contre, si vous arrivez et que vous êtes assez groupé, et qu'en gros vous lui dites, voilà, nous on arrive par ici, mais tu as toutes les autres sorties pour t'en aller, là il va se laisser approcher un peu plus. Attention, il va partir, il va partir, il va partir. On est pas mal, là. Donc là, ce que vous voyez, c'est un phoque barbu. Hein. Phoque barbu. Ouais, phoque barbu. C'est magique, hein. On va peut-être pas abuser de son hospitalité. Tout le monde a réussi à faire des belles photos. En fait, moi, je pense que c'est pas vraiment des vacances, hein. C'est vraiment plutôt un voyage. C'est un voyage autour aux sources, les éléments. Chaque jour, ces émotions, mais aujourd'hui, c'est belles émotions. Hein. Des images féeriques, mais la contrepartie, c'est le manque de confort. La gastronomie, il faut oublier. Carottes, patates, si vous voulez, on sort les tailles. Poireaux et viande, c'est ça? T'as pas mis des poulots dedans? Des poulots dedans, voilà. Là, on mange pas d'ailleurs, on se nourrit, c'est tout. Hein. Faut regarder les choses en face quand même. Là, on est en kayak, on a toujours le même souci, c'est le gain de place. Donc, on prend des plats lyophilisés en partie, on prend aussi de la semoule, du riz, des pâtes, des choses qu'on peut facilement caser dans le kayak et qui prennent pas trop de place et puis qui sont, voilà, qui sont bien à manger et qui calent, qui fait qu'on a plus faim après. Ça a l'air très bon ça.
Quand on mange là, c'est pas important ce qu'il y a dans son assiette. C'est d'être là, le plus beau restaurant du monde. Après le repas, tout le monde a quelque chose à faire, notamment le compactage des déchets, car la loi impose de ne rien laisser sur place. Tout le monde doit participer. Il faut aussi se ravitailler en eau potable, de la glace fondue, qui, grâce au froid, ne comporte aucune bactérie. Mais oui, c'est sûr. Elle n'a pas l'air très claire, quand même. Écoute, j'ai jamais été malade avec cette eau-là. C'est potable, ça. Tout est potable. Au Spitzberg, l'eau est potable partout. C'est des voyages vraiment qui sont à part, parce que c'est une façon de faire. Donc, c'est des voyages participatifs où il y a un effort physique à fournir, parce que c'est du kayak, remonter le camp, démonter le camp. Mais je pense que ça, c'est ce qui plaît aux gens aussi. C'est pas justement d'acheter quelque chose tout fait et puis de rien faire. Il est maintenant minuit. Ils vont devoir dormir alors qu'il fait encore soleil. De quoi perdre ses repères. Mais c'est aussi ce que les voyageurs recherchent. C'est vrai que ça fait du bien un peu de lâcher nos règles modernes et puis de plus avoir de montres. C'est dire qu'on reprendra les horaires dans 10 jours quand ça sera fini. C'est quand même pas mal. C'est une richesse, ça aussi. Hein. Alors moi, c'est un problème, c'est que je vais jamais me coucher, alors maintenant il va pas faire nuit. Et en plus, il y a un spectacle tellement beau que pas du tout envie d'aller me coucher. Depuis leur départ, il fait beau. Mais demain, les 7 voyageurs vont avoir de sacrées surprises. Car près du cercle polaire, quand la tempête se lève, elle est phénoménale. À des milliers de kilomètres, au Spitzberg, à proximité du cercle polaire, Thibault, le guide, découvre ce matin de bien mauvaises conditions météo. Avec le vent, la température ressentie est de moins 15 degrés. Là, c'est un peu plus galère, les vacances. Ouais. Pourquoi ? Ah, parce que ça, il fait pas beau, il fait froid, ça mouille. L'intérieur des tentes est mouillé parce que le vent colle les 2 toiles. Mais ça fait partie de l'aventure. L'aventure, aujourd'hui, est au point mort. Les conditions météo leur interdisent de prendre la mer. Et le vent menace la grande tente. Il faut prendre des mesures d'urgence pour l'empêcher de s'envoler. On va coucher la tente. Ouais, on couche la tente. Ça consiste à enlever le mât. Et après, par contre, là, il faut être super rapide. On va mettre plein de pierres dessus pour essayer qu'elle reste au sol le plus. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui batte, quoi. Pas un bout de toile qui batte, parce que quand ça bat, ça se déchire. Plus rien n'est possible pour l'instant. La suite du voyage semble compromise. Mais cette tempête plonge les voyageurs au cœur de ce qu'ils sont venus chercher. C'est les extrêmes, en fait. C'est ce qui est... je pense que c'est aussi ce qu'on a envie de vivre, c'est... On se sent un peu loin, on se sent au pôle, quoi. Les aventuriers devront patienter dans leur tente tant que le vent ne faiblira pas. Il aura fallu 24 heures pour que la tempête se calme. L'équipe peut enfin se remettre en route. Mais après cette journée perdue, Thibault a prévu une longue étape pour aujourd'hui. On va aller passer le cap qui est là et remonter tout le long de la côte ici jusqu'à au moins ici pour venir camper en face. Là. Parce que ici, en fait, la semaine dernière, il y avait un ours qui était là. Donc si on campe juste à côté, c'est un peu aller chercher les embrouilles avec lui. Aujourd'hui, le parcours est plus difficile. La température de l'eau ici est proche de 0. Par endroits, ils vont devoir se faufiler entre les morceaux de glace qui flottent en surface. Essayez de suivre les kayaks à la limite, ceux qui sont derrière, là, comme ça, il y en a un qui fait le chemin et les autres qui passent derrière. Ils vont s'approcher d'un glacier, à l'endroit où il rejoint la mer et fond sous l'effet de la température estivale. De gros blocs s'en détachent et forment des icebergs imprévisibles. T'as vu l'iceberg, comment il bouge, là ? Là. Et là, quand t'es à côté des gros, faut faire super gaffe. Regarde derrière. Un paysage fascinant
mais qui peut se révéler dangereux. Reculez, reculez, reculez. Les ordres du guide sont précis. Il faut faire très vite. La vague risque de retourner les kayaks. Si les voyageurs tombent à l'eau, ils ont moins de 10 minutes de survie. Tu restes de face, Vivienne. Vivienne, faut rester de face, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais tu recules en marche arrière. Si tu fais demi-tour, tu perds trop de temps. Je vois pas ce qu'il y a derrière. C'est hyper dangereux. Faut vraiment faire gaffe. Ah ouais, alors là, tu te sens petit, hein, là, sur ton kayak. Tu te dis, bon... Ah, c'est impressionnant, parce qu'on se dit, c'est un, deux, peut-être derrière nous aussi. On avait la possibilité de reculer et on avait celui-là derrière. On s'est dit, est-ce que ça va faire la même chose derrière? Eh bien, ça réveille, hein. Un phoque, regarde, il y a un phoque. Juste là. Le danger est passé, l'expédition peut continuer. 6 heures de kayak et 40 km avant de rejoindre le bivouac du soir. Il fait à présent environ 10 degrés. La soirée s'annonce agréable, mais c'est sans compter avec d'énormes moustiques. Putain, j'en avais sur moi. Hop, il faut se démoustiquer avant de rentrer. Ah putain. L'humidité conjuguée à une température plus douce leur est très favorable. Ça gâche un peu le plaisir. Et moi, ils m'aiment bien. Alors je m'enferme un peu. Il paraît qu'ils sont pas voraces. Il paraît qu'ils piquent mais qu'ils mangent pas. Alors, ça devrait aller. On comprend vite que c'est une terre un peu inhumaine, quoi. C'est pas tellement possible de vivre ici, quoi. Malgré cette nature hostile, Thibaut, le guide, essaie de faire passer ce qu'il aime particulièrement dans le Grand Nord. Une vocation pour ce Lyonnais qui a choisi de vivre 6 mois par an dans ces déserts glacés. Quand on est habitué à un certain luxe, on ne se rend plus compte qu'on peut vivre comme ça. Et quand on vient ici, on remet les pendules à zéro, on repart comme avec rien, quoi. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, on vit avec plein d'artifices autour de nous et qu'un retour aux sources de temps en temps, bah, ça fait pas de mal, quoi. Et le Spitzberg, ça permet ça. C'est la dernière étape. La dernière occasion d'emmagasiner des images, des sensations, des souvenirs. Mes yeux et j'enregistre, et quand je fais mes nuits à l'hôpital, et ben de temps en temps je ferme les yeux et je revois tout ça. C'est scénique, c'est magnifique. Dernière soirée pour les vacanciers et dernière surprise, des animaux qui viennent rendre visite au campement. Le lendemain matin, un autre moment fort pour ces amoureux des paysages du Grand Nord. Ils vont grimper sur le sommet le plus haut des environs, le Wallenberg, à 375 mètres de hauteur. C'est un peu l'apothéose du voyage, quoi. Le condensé, c'est... On a plein les yeux. Et là, c'est... Voilà, faut marcher, faut pagayer. Ça se mérite quand même, hein, finalement, cette région. La beauté des paysages bouleverse Pierre, qui retrouve les images de son enfance au Canada. On est venu au Spitzberg parce qu'on avait un imaginaire et puis qu'on a cristallisé un moment là-dessus parce qu'on a vu des photos qui nous plaisaient ou lu un récit qui nous plaisait ou quelque chose. Oui, on a vécu un petit peu des rêves, des choses qu'on avait imaginées. Et t'as quand même un petit peu l'impression de faire un truc qui sort de l'ordinaire. Ce défi a conquis tous les membres du groupe. Ils ont découvert dans une nature austère des paysages hors du commun que peu de gens ont approchés. Mais un voyage dans le Grand Nord
n'est pas à la portée de tous. Il existe d'autres façons, beaucoup moins coûteuses, de se fixer un défi le temps des vacances.